Yo les potes, c'est Tonio, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous passez de bonnes vacances, puisqu'aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, les gars. On retourne sur le jeu de notre enfance, le jeu qui nous a fait vibrer. Et les gars, toutes les bonnes choses en toute fin, je crois. Regardez le nombre de joueurs en bas, 1486. Bientôt, pour avoir plus de joueurs, va falloir payer les gens. Non, le jeu est en train de mourir, les gars. Là, vous assistez à une vidéo, c'est un enterrement. Et je parle pas d'enterrement de vie de garçon, là, c'est réellement un enterrement. Parce qu'il y a plus personne. Donc, pour l'occasion, je me suis dit que c'était la vidéo parfaite, tu vois, retourner sur le jeu qui m'a donné le plus de sensations. De plus de vibrations. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un accessoire particulier autour du cou qui s'appelle le BazMi, les gars. Alors BazMi, c'est quoi? C'est un petit appareil que tu disposes, voilà, de cette façon là autour de ton torse, et qui va te faire ressentir les sons. Ça veut dire que là, dès que je vais me prendre une balle ou dès que je vais tirer, je vais ressentir des sons. C'est à dire que l'appareil va vibrer au niveau de ma cage thoracique. Je vais avoir l'impression en fait que c'est moi le soldat qui tire, tu vois. Vous avez un code de réduction de moins 20%, code Tonio dans la description. Code exceptionnel, les gars, ok. On va tester tout ça, je l'ai pas encore testé. Mais je me suis dit, le jeu qui m'a donné le plus de sensations quand j'étais petit, c'était Black Ops 2. Bah faut que je le teste avec ça pour que voir si j'ai encore plus de sensations qu'à l'époque, tu vois. Voir si c'est vraiment le kiff de ouf. Bon, on va se faire quoi, les gars? On se fait une petite partie perso. En même temps, là ça va être très compliqué d'avoir le choix. C'est comme Pokémon, tu vois, au début t'as le choix qu'entre 3 Pokémon, t'as pas le choix entre 150 Pokémon. Bah là c'est pareil. Yemen, parfait, parfait. Déjà rien que dans les menus, déjà je sens que ça vibre, c'est nul. Attends, je suis sûr que là, il y a 2 secondes, ma tête était bizarre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Le BazMi, il fonctionne pour les jeux vidéo, il fonctionne pour les films, il fonctionne pour la musique. Vous pouvez le connecter sur votre téléphone, enfin vous pouvez le connecter sur plein de trucs. Dès qu'il y a du Bluetooth, de toute façon tu connectes. Donc voilà, c'est simple. Et c'est énorme, les gars, je vous jure, c'est énorme. Il y a un joueur qui a quitté, ça m'a fait vibrer. Je pensais pas que Black Ops 2 pouvait me faire ressentir autant de choses. Même mon ex, elle m'a pas fait ressentir autant de choses. On est sur Plaza, la Plaza del Sol. En plus, je pars en vacances là. Tu vois, là, je fais cette vidéo. Dans 3 heures, je suis dans l'avion. Et ouais, je vais être comme ça, en terrasse et tout. La Playa, océan Indien. Je vais pas du tout dans l'océan Indien, mais c'est pas grave, je reste en Europe. Parce que bon, avec quoi on joue? Je sais même pas avec quoi. Vous savez quoi, là, quand on se prend pas la tête. Les gars, c'est énorme, je vous jure que c'est énorme. Là, par exemple, je marche, je sens que ça vibre. Oh la vache, la grenade qui est en fond de map, je l'ai ressenti. Le mec, quand je l'ai éclaté, j'ai ressenti. Ah ouais, non mais hey, les gars, je suis immergé de ouf. Oh, les sensations, ma gueule, les sensations, ces sensations. Et je me jure, je me suis fait tuer IRL aussi. En fait, là, c'est comme si, je vous jure, là, je suis un super soldat, les gars. Vous avez toujours rêvé d'être Black Ops 2 in real life? Bah là, je suis en train de le vivre, ma gueule. Là, quand je vais tirer dans la tête, vous savez, le petit E, je me suis pris, pareil, c'est comme si je m'étais pris un tire-tête dans le torse. Le BazMi, en fait, je comprends le jeu de mots qu'ils ont dû faire. En fait, c'est un jeu de mots avec les basses. Parce que là, laisse tomber comment mon corps, il a la vibe et tout. À chaque fois que je me fais tirer dessus ou que je tire, je me prends des finishims à la Mortal Kombat où je me fais péter les côtes. C'est exceptionnel. Les gars, franchement, c'est ouf. On en attente d'ordre. On de brouillage en attente. Oh là 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 là. Ça va péter distance de sécurité. Il est HS. On est en train de faire encore un match de tennis, c'est nul. 75-22. Donc première partie, honnêtement, sensation ouf les gars. En plus j'ai mis un petit maillot, tu vois, exprès tout fin en toile pour encore mieux ressentir. Parce que c'est sûr que si tu commences à mettre un pull, un gilet, un blouson, tu vois, les sensations sont pas là. Le BazMi, il est au prix de 129€ les gars. Donc avec le code Tonio, vous l'avez quasiment à 100€. On sort Firejacks. Allez, vous savez quoi? C'est l'été, le luxe, le BazMi. On va s'ambiancer, musique à fond. Mais n'empêche, c'est ça que je pourrais faire, attendez, parce que si je mets de la musique, genre je mets du Eminem dans mon oreille, tu vois, vite fait. Lose yourself. One shot. Wow. One shot. Putain, au moment où en plus Eminem l'a dit. One shot. One shot. Je suis mort, ok. On arrête les conneries, on est en train de perdre en plus la partie. Hein, use yourself, là je suis en train de la perdre. Donc un peu de concentration mesdames. Non mais hé, c'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, c'est des tourelles automatiques ou quoi? Ils bougent pas, c'est des poteaux de corner au football. Non mais... Théma ce mec! Tu t'appelles quoi, le tuck du pot? Mais le tuck de la camp, ma gueule! Allez là là, mange! Sniper à terre, en avant, tireur! Oh my god! Putain, je retrouve mes sensations. Pardon, excusez-moi pour la vulgarité, mais là je suis obligé! Là je suis on fire, ma girl! Je retrouve mes sensations de l'époque. Je vous jure, je sais pas si c'est parce que ça vibre en moi, mais il se passe quelque chose. La musique passe à travers moi, tu vois, je suis connecté au soldat, mon gars. Oh là là, et la musique donne! Hein. Oh, je kiffe ce jeu, les gars, je kiffe. A chaque fois que j'y retourne, mais c'est... ça. Oh, mais toi, ouais, non, toi, t'es mauvais. Toi, par contre, ah ouais, non, tu fais peur. BO2, comment je ne l'ai jamais vécu. Regardez, il va revenir. Regardez, regardez. En fait, on dit, ouais, les bombes tombent pas toujours au même endroit.
Eh ben, les abrutis reviennent toujours au même endroit. Drone en approche. Oh bah non, bah alors là, si on enchaîne Ajax et ensuite suivi de Raid, c'est pépite. Ah ouais, le KSG. Attends, on va tester, mec. On va tenter KSG, ça fait longtemps. Je suis sûr, la dernière fois que vous avez vu hein, du KSG, vous aviez même pas de beubord à ce moment-là. Ah par contre ouais, il est moche, sans, tu vois, sans camo, sans rien, il me faut aucun effet. Heureusement que je vais ressentir des choses avec le Basbi, parce que là tu me fais rien ressentir, mon petit KSG. C'est une femme sans maquillage. Je l'ai eu. Oh le KSG. La classe n'est pas... Oh là là, mais, hey, mais appelle-moi monsieur KG, je suis monsieur propre moi. Je nettoie la zone gros. Les mecs ils ont mis leur... ils rentrent dans la maison gros, ils enlèvent même pas leurs chaussures. Bah je les calme. Il est mort. Confirmé. Non, j'ai raté la quad, ma gueule. Mais cette game, les gars, je vais me refaire une quatrième game parce que je sais pas, je kiffe. Je sais pas, c'est pépite en fait. Les gens ils sont tous nus, je m'amuse de ouf. Je m'amuse de ouf les mecs, je vous jure. Le kiff. Dernière partie ou pas? J'hésite. Est-ce qu'on s'arrête là parce qu'on a reçu assez de sensations? Parce que les sensations sont décuplées. Ça nous fatigue physiquement, tu vois, de ressentir autant d'émotions. Ouais, je vais faire une troisième game. D'habitude, je fais toujours une troisième. Il faut pas déloger à la règle. Ah, aléatoire, vous savez quoi? Aléatoire, histoire de changer. Et puis, on va se faire une classe énervée. Genre, on va tenter un petit gameplay. Parce que les mecs en face, là, ils sont pourris. Mais t'es pourri. J'ai bien envie de jouer à la MP7. Oh non, par contre. Bah ouais, mais non, mais pas Yémen. La MP7 elle est pas du tout adaptée à Yémen. Donc là on se rajoute une difficulté supplémentaire. On tente un gameplay, je vais devoir faire des duels au corps à corps. Et la map en fait elle est quand même assez grande. Il y a vachement des longs couloirs ouverts. Donc ça va être compliqué, tu vois. Non mais putain, mais ouais, mais ils sont tous des... Vas-y, non mais là je vais la quitter cette game. T'es le rageux qui se fait tuer d'entrée de game. Non mais regardez-les. Frérot, c'est Camping Paradis ou quoi le bordel là? Oh putain, en plus j'ai même pas pris... Oh là là, mais alors toi t'es ignoble. Alors toi mon gars t'es Frankenstein, hein, je te le dis d'avance. Regardez là, ça va spawn en bas. Ah ouais, je l'avais dit. J'ai prévenu hein, j'ai annoncé le blaze hein. Oh là 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 là. Quand je te tue toi, mon cœur vibre. On peut pas perdre face aux campeurs. Je mets un base mid d'honneur qu'on perd pas cette game face à des campeurs. C'est série hein, tout repose sur mes épaules. Et non, puis je me fais tuer par lui, par ce noob en plus. Allez les gars, allez, on est repassé devant, on est repassé en tête. J'en transpire les gars. Oh, j'ai bouché, là j'ai bouché, c'est de ma faute. Les sensations sont là, en tout cas c'est réel avec le Basbi. Regardez, le mec on dirait que comme le petit poussé, genre il met des petites mines genre pour rentrer chez lui ou quoi. Il reste un kill, j'ai juré on perd pas. En aucune façon on se prend une remontada ou un truc du genre. On va perdre. Non, c'est bon. Voilà, le papa, c'est qui? C'est moi. J'avais dit qu'on perdrait pas. Bon, on va refaire une game contre eux et je pense que ça va être très très drôle. Je vais m'équiper à mort, pareil, en Betty, en machin. Ok, on fait ça ou quoi? Ingénieur, gilet pare-balles, IUM et C4. Oh ouais. Oh là 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 là, la classe pépite. La classe anti-pute. Vous voulez la classe anti-pute? Elle est là sur Black Ops 2. Oh, je vais les zooker. Je vais les ambiancer. Oh là là, vous l'avez vu. Non mais sans déconner, alors lui, mais lui il perd pas le temps lui. Attends, je me suis fait tuer. Quoi? Des erreurs? Je suis mort par une chute. Mais non, mais j'étais en train... Mais non, mec, j'ai le seum. Vas-y, vous savez quoi? On dit que je suis pas mort là. Parce que là, la chute, j'ai pas compris. Frérot, je suis descendu du premier étage. J'ai pas sauté de 3 étages. Oh là là, mais je me balade, je fais n'importe quoi, je cours dans toute la map. Je sais pas où sont les ennemis, frère. Je me balade, mais je vous jure, je suis aux aguets, tu vois. J'écoute le moindre bruit avec mon corps. En fait, je vais tenter de faire un kill. Vous savez quoi? Je vais fermer les yeux. La force me guide. Si le Basmi, en fait, c'est Maître Yoda qui l'a inventé. On va tenter. Je ferme les yeux. Je l'ai eu? Oh, je l'ai eu! Bon, on est repassé en tête. Pff, je vais finir au sniper parce que cette game, en fait, au final, je m'attendais à rien, tu vois, de cette game. Et au final, j'ai quand même été déçu. Bon bah voilà, on a encore gagné. Basmi, franchement, avis très positif. Après là, tu vois, ce soir, je prends l'avion. Je pense que je vais me le prendre pour écouter de la musique. Même pour s'endormir ou tu vois, c'est... Franchement, tu fais un mix ASMR avec ça. Ça va être un délire. Attendez, je vais tester. Ah, faut que je teste. ASMR. Peur si je ferme les yeux. Bon, je suis pas très fan d'ASMR, mais c'est bizarre. Il y a une meuf qui vient de me dire, je te donne cette plume qui peut t'apporter bonheur et chance.
Et ça me fait pointer des tétons, je rigole. Bref, bon, en tout cas, le Buzzmi, franchement lourd. Si vous voulez vous le procurer encore une fois, lien dans la description. Code de réduction, -20% Tonio. C'était Tonio, peace, love, kiss. Merci encore une fois à Buzzmi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Appuyez sur le pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez les bails, les gars. Et suivez-moi sur Twitch, bordel. Peace, love, kiss, à la prochaine, bisous.